J'avais passé 3 jours à Istanbul en touriste. L'histoire, je n'ai jamais mis les pieds en Arménie. Je connaissais franchement pas grand-chose au génocide arménien. C'est Anna Benjamin, sa mère s'appelle Karnikian, qui est venue me voir en disant, voilà, il y a le centenaire du génocide arménien qui approche, j'ai envie de faire quelque chose. Je lui dis, bon, bah, pourquoi pas, moi j'y connais pas grand-chose. On a commencé à regarder et on est tombé sur le livre de Laurence Ritter, qui est ici aussi, qui s'appelle Les Restes de l'épée, sur les Arméniens cachés en Turquie, sur ces gens qui, à l'âge adulte, découvrent une histoire. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça fait, quoi, enfin, au moment où ils l'ont appris, comment ça s'est passé, comment ils se sont sentis, et puis ça a dû être un tel bouleversement. Donc voilà, il y avait plein de détails sociologiques dans le film, et on se demandait, voilà, humainement, comment ça se passe quand on apprend à 40 ans que l'histoire qu'on nous a racontée toute notre vie, ben, c'est pas du tout celle-là, en fait. Et qui on est, et comment est-ce qu'on décide d'avancer dans la vie. Donc voilà, on est allé 3 fois en Turquie. On a appelé Yaşar Kurt dans sa montagne. On lui a dit, on aimerait bien venir te voir, parce qu'on avait vu un article sur lui, il nous a reçus dans sa montagne. On est allé à Istanbul, on a rencontré allez, peut-être 40, 50 personnes qui avaient cette histoire-là. Ensuite, on a fait des choix en fonction, on voulait des hommes et des femmes, on voulait des jeunes et des moins jeunes. Et puis, il y en avait beaucoup, en fait, ils voulaient raconter leur histoire, mais ensuite, ils disaient, bah, devant la caméra, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, soit parce qu'on est fonctionnaire, soit parce que Et à tort ou à raison, mais on se dit, bon, avec la famille, avec les amis, c'est un peu délicat. Et puis, il y en a qui ont tout simplement besoin d'en parler, envie d'en parler. Et voilà, du coup, on a construit ce film. Ben, est-ce qu'ils sont soutenus par les amis turcs? J'ai envie de répondre par la question, est-ce qu'ils sont soutenus tout court? Parce que ça soit dans une famille arménienne un peu cachée, les gens peuvent dire, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin, on était très bien, on était cachés, t'as pas besoin de l'exprimer. Des fois, ils sont soutenus plus par leurs amis turcs et kurdes que par leur famille arménienne. Enfin, il y a aucune. Voilà, c'est pas blanc et noir. On est allé présenter le film de 52 minutes à Istanbul, dans les cinémas d'Istanbul, sur la rue İstiklal, parce qu'il était le film était sélectionné au Festival international du film d'Istanbul, la semaine du centenaire du génocide arménien. Et les modérateurs eux-mêmes, enfin, prononçaient le mot génocide, en tout cas. Pendant le débat, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Il y avait des Turcs, il y avait des Juifs, il y avait des Yézidis, il y avait des Arméniens, il y avait des Kurdes. Et on a entendu énormément d'histoires de gens qui disaient, mais en fait, moi aussi, dans ma famille, on m'a pas tout dit. Parce que finalement, c'est une histoire sur les Turcs et les Arméniens, mais c'est surtout une histoire sur le silence. Et on a tous un peu ça, un degré divers, un peu dans nos histoires de famille ou quelque part. Et dans les communautés, dans les immigrations, dans les conflits, voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Heureusement, ce type de témoignages se multiplient. Il y a le livre de Fethiye Çetin qui fut une première, notamment par sa traduction en langue française, mais il y en a d'autres, on les voit parfois, c'est aussi des inconnus qui sont parfois en lien avec la presse, etc. Donc c'est quelque chose qui se banalise.
et c'est tant mieux. Moi qui suis de métier, je suis psychologue et de métier formateur de formateurs, je forme par exemple des enseignants et je leur dis la langue maternelle des enfants est quelque chose de très important. Par exemple, les immigrés turcs qui vivent à Bruxelles, ben, ils ont droit à apprendre, pratiquer, développer leur langue maternelle. Je fais ce combat depuis 1986, depuis que je travaille. Et quand j'entends qu'en Turquie, on empêche des gens d'apprendre et de parler leur langue maternelle et de l'enseigner, et ça me va loin. Ça me coupe les ailes. Et donc je crois que cette inégalité-là, il faut le faire entendre aussi aux personnes présentes, mais aux personnes absentes aussi. La moitié de Skarbek aurait dû être ici aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, je le regrette. Juste répondre à ça à partir de ce que je sais, c'est-à-dire pas énormément de choses. La première, c'est que, effectivement, c'est quelque chose qu'on a découvert récemment, que les Arméniens avaient un fichage. Alors, je ne sais pas à quelles autres communautés s'étend ce fichage. Est-ce que c'est religieux déjà ? Je pense qu'il est plutôt religieux que ethnique. Je ne pense pas que les Kurdes soient fichés comme Kurdes, mais. Ça vaut pour l'armée, par exemple, des livres que j'ai lus, alors maintenant je commence à confondre, mais où on voit, ben c'est le livre de Guillaume Perrier et Laure Marchand, on voit quelqu'un qui fait carrière c'est le deuxième livre de Fethiye Çetin avec, comment s'appelle-t-elle, Altina, les petits enfants, où on voit quelqu'un qui fait carrière dans la police, dans l'administration préfectorale, et puis à un moment, il est bloqué. Et au début, il ne comprend pas pourquoi, et en fait, il s'avère que justement, il a ce codage numéro 2, là, qui est une sorte de. Quelquefois, c'est pas. Par rapport à ce que d'autres gens ont vécu, c'est pas affreux, mais c'est quand même un plafond de verre par rapport à une carrière, par exemple, dans l'État. Et puis, la deuxième chose à laquelle. On pense en voyant ça, c'est effectivement le côté un peu en trompe-l'œil de la laïcité de la Turquie, avec cet aspect donc de fichage quand même de certaines minorités pour par rapport à des fonctions ou là en l'occurrence par rapport à la langue maternelle. On ne comprend pas très bien pourquoi ce ne serait pas quelque chose de un choix subjectif. Non, il faut que ce soit objectif, mais dans un seul sens. Juste pour la petite anecdote, en fait, le fichage, ce fameux numéro 2, c'est Nazlé qui a sorti l'histoire, parce que jusqu'ici, ça se savait plus ou moins, mais on n'avait jamais la trace. Et en fait, c'est quand elle a voulu inscrire son fils à l'école arménienne, c'est une bourde de l'administration. Qui lui a envoyé un papier officiel avec en tête du ministère avec « Prouvez-nous que vous êtes numéro 2 ». Et là, l'avocat est tombé des nues en disant « Mais c'est quoi ce numéro 2 ?» Et en fait, l'histoire est sortie dans la presse à ce moment-là, grâce à Nazlé. Et Nazlé, maintenant, pour répondre à l'interdiction d'apprendre les langues, le cas de Nazlé, maintenant, fait jurisprudence. Où c'est grâce à son combat que maintenant on n'est plus obligé de prouver qu'on est numéro 2 pour inscrire son enfant à l'école arménienne. Donc oui, elle a fait avancer les choses. Voilà, c'est pour l'anecdote. Merci. Je vais vite rassurer Marianne. Marianne Desrosiers, on reprend le cours de la présentation, donc je te laisse. On a le temps, on a tout le temps. Merci Marianne. Donc voilà, je te laisse introduire en tout cas nos intervenants. Merci Marianne. Michel Marion. Je vous ai posé deux questions il y a quelques jours. Je vais la prendre au public. C'est des questions que je vous pose parce que j'ai lu ce livre, Le génocide arménien de la mémoire outragée à la mémoire partagée, que vous pouvez retrouver aussi au stand. On a fait en sorte de pouvoir regrouper et le sujet de cette soirée et vos travaux. Donc la première question à laquelle je vous demanderai de répondre, ça serait de comment construire un dialogue tourné vers l'avenir tout en ayant conscience du passé. Alors je vais essayer de répondre quand même un peu subjectivement et pas théoriquement en brossant, disons, à grands traits, donc je rappelle sur les meubleurs, le cheminement que j'ai eu dans le dialogue. Alors je peux dire que dans les années 80, 90, j'étais comme
beaucoup d'Arméniens dans une forme de militantisme pour la reconnaissance du génocide, avec, c'est même les premières fois où je suis venu à Bruxelles, parce que ça voulait dire aussi du lobbying auprès des députés, auprès des députés européens, au moment en particulier où se discutait la première motion de reconnaissance du génocide par le Parlement européen en 1987. Donc j'ai fait pas mal de choses à ce moment-là, y compris à la fin d'ailleurs un texte de remerciement aux députés européens quand ils ont voté cette motion. Et puis, ça c'est quelque chose qui a duré jusqu'en 2001, au moment où le Parlement français a reconnu publiquement, moi j'ajoute l'adjectif parce qu'il est dans le texte, a reconnu publiquement le génocide arménien. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis un peu posé des questions qui sont entrées en résonance avec un contexte d'évolution de la société turque. C'est-à-dire, je me suis dit d'abord, dans le contexte purement arménien, que les suites n'avaient pas le même intérêt. Ce qui était très important dans la reconnaissance un peu solennelle qu'avait faite le Parlement français, c'était que ça sortait un peu les Arméniens d'un risque de folie ou d'enfermement sur eux-mêmes, à se dire qu'ils sont les seuls à se souvenir de ce génocide, et finalement c'est peut-être tout ça, c'est peut-être une fantasmagorie. Là, ça rentrait vraiment dans la réalité, et quelque part, l'essentiel était acquis, préservé ou retrouvé. Bon. Donc la suite, je commençais à penser, que ça ne pouvait être qu'en Turquie. C'est-à-dire que évidemment le reste serait soit répétitif, c'est-à-dire après la France, il y aurait d'autres pays, les États-Unis, etc., soit une forme de radicalisation pas très intéressante qui pour moi reviendrait à un nouvel enfermement, c'est-à-dire par exemple des lois de pénalisation, des choses comme ça. Et alors, cette suite en Turquie, évidemment en 2001, c'était assez difficile de l'avoir, mais assez peu de temps après, à partir de 2004-2005, il y a des choses importantes qui se sont passées. Alors j'ai parlé du livre de Fethiye Çetin, il y avait la personnalité de Jean Dink aussi qui est apparue, et donc ça a été le début de rencontres, mais presque, j'allais dire, fortuites, entre Arméniens et Turcs à Paris, où on était intéressés les uns et les autres par le livre de Fethiye Çetin, par le fait d'écouter Landing, et puis il y a eu donc ce phénomène absolument tragique, et en même temps qui a vraiment fait bouger les choses, qui est l'assassinat de Landing, où là on s'est retrouvés dans la rue pour protester ensemble à Paris, mais enfin à l'image de ce qui s'était passé évidemment de façon beaucoup plus importante à Istanbul, et donc des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont rencontrés à ce moment-là, et qui donc avaient d'une certaine façon franchi ce mur invisible. Et on a essayé de poursuivre. Et de poursuivre autour de l'anniversaire de la mort de Landing, ça a été une chose tout à fait importante, le premier anniversaire de la mort de Landing à Paris. On était, j'allais dire, quelques Arméniens, et puis il y avait deux associations turques. Et on a voulu donner un aspect très public à ça, et on a fait 6 heures à la mémoire de Landing, et donc en invitant assez largement, il y a pas mal de gens qui sont venus, mais on sentait l'électricité entre les deux, je ne peux pas dire les deux communautés, parce que c'était deux minorités au sein de chacune des communautés, disons, mais on sentait vraiment l'électricité, c'est-à-dire qu'il y avait des concours d'applaudissements, ou même quelquefois pas des sifflets, mais on sentait que certaines paroles provoquaient vraiment une animosité de l'autre côté. Mais enfin, on l'a fait, et on était sur une lancée, et puis cette lancée s'est un petit peu, pas essoufflée, mais même brisée, parce qu'il y a eu un incident 2 ou 3 mois après, autour d'une... Alors je le dis en Belgique, mais bon, donc c'était en France, autour d'une conseillère municipale
d'origine turque de la région lyonnaise qui avait été, alors, je ne me souviens plus tout à fait l'histoire, mais je crois photographié dans la manifestation nationaliste turque contre la construction de la stèle, de la stèle au génocide de Lyon. Et cette histoire avait été, donc, été ressortie. Et le conseil municipal, c'était Villeurbanne, lui avait demandé des explications qu'elle n'avait pas données, et donc elle avait été virée, je crois, de la liste. Mais la façon dont nous avons perçu Arméniens d'un côté, Turcs de l'autre, et pourtant des gens qui avaient tenu ensemble quelques mois avant ce rassemblement, n'était pas la même, était assez différente pour qu'on n'ait pas réussi à trouver les moyens de dépasser ça pendant un ou deux ans. Au bout d'un ou deux ans, on a repris l'habitude de se retrouver tous les ans au moment de l'anniversaire de la mort de Lambing. Donc, d'une certaine façon, c'est ça que je dis à un moment dans le livre, c'est que bon, il y avait le 24 avril, mais il y a une deuxième date qui a commencé à devenir vraiment importante, significative d'autre chose, qui était le 19 janvier. C'était aussi alimenté par le fait que le procès tournait en rond, qu'on se rendait bien compte qu'il y a des fausses pistes, que les bons. Et en tout cas, entre Arméniens et Turcs qui souhaitaient faire quelque chose ensemble, cette date et cette référence évidemment à Lambing était quelque chose de tout à fait important. Et donc, ça marchait. Parce qu'on pouvait, autour du personnage de Lambing, on pouvait agréger des sentiments partagés, mais il fallait aussi arriver, si on voulait construire quelque chose de plus durable, il fallait arriver à formuler conceptuellement, pouvoir défendre ses choix. Pour moi, c'était à l'intérieur de la communauté arménienne qui était très méfiante par rapport au dialogue. Et donc, ça s'est passé en plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'ai eu besoin d'écrire un article pour dire à quelles conditions je considérais que le dialogue était possible et utile. Alors les conditions, bon, je le dis rapidement maintenant, c'était pour expliquer que je ne mettais pas comme condition préalable que mon interlocuteur ou mes interlocuteurs turcs reconnaissent le génocide explicitement dans le premier contact ou le premier échange. Ce qui me paraissait indispensable, c'était deux choses, en plus de la chose que le mot, c'est-à-dire le fait qu'ils admettent que ce qui était arrivé aux Arméniens en 1915 était d'une nature tout à fait différente de ce qui avait pu se passer pendant des siècles d'affrontements entre communautés, de massacres, de chaînes de massacres, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'était assez important pour qu'effectivement, il y ait une sorte de responsabilité politique qui soit transmise aux générations actuelles de Turquie et les amène à faire quelque chose pour que ce passé ressorte. Bon. Mais voilà, ce n'était pas le mot génocide. Et à partir de là, je suis allé en Turquie, j'ai commencé à discuter avec des gens, et puis on a fait ce livre d'entretien avec Ahmet İnsel, donc un intellectuel turc mais de culture française, donc ça facilitait l'échange, disons, en tout cas au départ, et où on a, je pense, chacun appris des choses de l'autre. Il me semble que Ahmet a appris effectivement l'une des choses qu'on voit dans ce film, ou plutôt dont Farouk l'a commenté, mais quelqu'un a dit il y a des morceaux d'identité, où c'est Guillaume, il y a des morceaux d'identité arméniens, Emchin, etc. Mais il s'accroche à cette identité arménienne parce que c'est la seule qui a été vraiment d'une certaine façon interdite. Et là, je pense que Ahmet s'est rendu compte aussi d'une chose, c'était que, bien sûr, la non-reconnaissance du génocide arménien, ça faisait partie, et pour tous les intellectuels, c'est la
C'est le point d'entrée. Ça faisait partie de quelque chose de plus vaste, qui est le refus de l'autre, exprimé à travers la guerre contre les Kurdes depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et lui-même le mépris pour les Alévis, etc., etc. Et donc, la relation aux Arméniens illustre ça. Et en même temps, elle est plus... Il y a un nœud qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus, et qui amène à ce que, même aujourd'hui, lorsque des gendarmes font le tir contre des Kurdes, je crois que c'était à Cizre, ils les traitent de bâtards d'Arméniens. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est enraciné contre l'Arménien, qui est beaucoup plus profond, plus dur à enlever, et donc qui a sa spécificité. Je pense qu'Ahmed a compris ça dans la discussion qu'on a eue. Moi, j'ai compris, évidemment, l'une des choses qu'on voit dans le film, c'est que il y a une diversité turque, que cette diversité vient aussi évidemment des parcours familiaux, des parcours individuels, et qu'on se retrouve donc, quand on croit qu'on va discuter avec des Turcs, en fait, on a des diversités qui sont très particulières, notamment le fait que les intellectuels de l'Ouest sont ceux qui, d'une certaine façon, ont le moins connu dans leur histoire familiale le génocide, parce que la plupart d'entre eux ont des familles qui venaient des Balkans, que les Kurdes ont beaucoup mieux connu, et qu'il y a cette zone un peu noire, un peu secrète, qui est celle de l'Anatolie du Nord-Est, qui était l'Arménie, et qui, est toujours très peu accueillante, dire vis-à-vis de la mémoire arménienne et des Arméniens. Donc il y a cet aspect de prise en compte plus en profondeur qui a permis, parce que ça m'a j'ai l'impression que je ramène à moi, mais je veux dire, les questions de dialogue sont des questions qui sont aussi des questions où on doit faire des choix et des avancées personnelles, c'est-à-dire résoudre des questions du type « mais est-ce que je ne suis pas un traître ? Est-ce que je ne suis pas trop mou ? Est-ce que je ne suis pas ceci ? Ou est-ce que je ne suis pas cela ?» Et il faut et c'est des questions qu'on résout à la fois moralement, intellectuellement, et donc c'est ce que... et j'allais dire individuellement et collectivement. Et collectivement, on a repris effectivement avec ces associations turques, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de 2015, on a fait, on se voyait, je l'ai dit régulièrement sur les 19 janvier, et puis on a commencé à préparer 2015 ensemble. Alors quand je dis préparer, c'était pas seulement à Paris, c'est aussi le fait qu'on allait à Istanbul. Effectivement, on allait éventuellement à Diyarbakir, enfin on a fait plusieurs choses ensemble, et on a en 2014, pour préparer entre guillemets 2015, on a entre Arméniens de France et Turcs, on a écrit une pétition qui s'appelle « Pour un rêve commun », où on expliquait, enfin on donnait une description d'une paix possible pour nous, qui était une paix qui supposait la reconnaissance du génocide, qui supposait une vraie démocratie en Turquie, chose à laquelle ce sont les Turcs qui nous ont appris à quel point c'était important, parce qu'évidemment pour les Arméniens, ils ont quitté le pays, même s'ils l'ont quitté bien après 1915 souvent, mais la mémoire est restée accrochée à 1915, et du coup, tout ce qui s'est passé après n'est pas grave. Puisque ça ne peut pas être aussi grave. Et donc, la question de la démocratie des droits de l'homme en Turquie, qu'on retrouve pourtant à travers des questions concrètes comme celle de la langue que l'enfant peut apprendre, était peu importante. On a appris au contact et en travaillant avec des citoyens turcs ou des membres de la diaspora que c'était très important. Donc c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était, dans ce rêve commun, c'était trouver des images qui peuvent remplacer la nostalgie du retour d'une souveraineté arménienne, à notre avis totalement impossible, sur ces terres. Hein. Et donc, bon, les images, je ne vais pas donner les détails, mais c'était que la Turquie consente des facilités portuaires aux Arméniens sur la mer Noire, en Cilicie, qu'il y ait des restaurations d'églises, enfin, etc., etc. Donc, on souhaitait montrer qu'on pouvait affirmer des choses ensemble, pas simplement affirmer qu'on est prêt à discuter les uns avec les autres, non pas dire toi, moi, ce qui est déjà énorme, mais nous. C'est ce qu'on a fait dans la dernière année, porté par un contexte qui était favorable, c'est-à-dire d'un côté l'acceptation internationale, à l'exception d'une certaine façon du gouvernement turc, de
de la consécration de l'année 2015 comme centre du génocide, et de l'autre, en Turquie, certes, pas de progrès sur, le, sur la question du génocide, mais des enfin, de la part du gouvernement, mais des progrès, un espoir démocratique qui naissait avec le parti kurde, qui devenait plus que kurde, qui devenait un parti ouvert à l'ensemble des progressistes et des humanistes. Tout ça portait, amenait à ce que, par exemple, à Diyarbakir, on puisse effectivement discuter longuement dans la rue, devant l'église, avec tous ces gens qui avaient retrouvé leur origine arménienne. Et tout ça était un contexte favorable à quelque chose qui commençait à tenailler les Arméniens de la diaspora, c'est-à-dire des envies de retour sous forme de pèlerinage. Et tout ça allait s'épanouir quand il y a eu cet attentat en juillet et depuis cette tension, cette guerre civile qui menace et qui rend évidemment toutes ces choses qui commençaient à apparaître beaucoup plus difficiles. Il y a quelques années, dans les années 2007-2008, en compagnie de différents collègues, notamment Monique Ekman, professeure à Genève, Kevin Haddad de Aix-en-Provence et moi-même de Liège, nous avons commis un livre qui s'appelle « Antagonisme communautaire et dialogue interculturel, du constat des polarisations à la construction des cohésions ». En tant qu'on s'inscrit dans la pédagogie de la paix, et par rapport à cette discipline, il y a un certain nombre de choses qui se font. Comme nous sommes des formateurs aussi, éducateurs, sociaux, on s'est intéressé quelles pouvaient être des actions concrètes qui pouvaient rapprocher les populations antagonistes. Donc là, petite explication, qu'est-ce que c'est une population antagoniste? Ce sont des populations en opposition, certes, sur un objet donné, mais l'antagonisme est quelque chose de plus dynamique qu'une opposition. Alors, je vais éloigner le micro un peu, vous allez voir, comprendre tout de suite. Quand la population X avance dans ce sens-là, la population Y se repositionne. Et s'il y a un retour, il y a un retour aussi de l'autre côté, etc. De sorte que l'opposition ne change jamais d'intensité, même si les axes défendus par les uns par les autres peuvent bouger. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a là, on est face à un système vicié. Et que, autrement dit, pour dire les choses peut-être plus de manière plus triviale, l'opposition profite à certains, et certains au pluriel. Donc c'est ça qui fait qu'il devient impossible de dépasser l'opposition, c'est tout le système qu'il faut revoir pour pouvoir casser ce cercle vicieux. À travers cette intuition, on est allé voir, dans ce livre, il y a par exemple un chapitre sur Chypre, il y a un chapitre sur les Palestiniens et les Israéliens. Il y a également ce chapitre que j'ai commis avec Kevin sur la faisabilité d'un dialogue intercommunautaire en immigration entre Turcs et Algériens. Arméniens. En Turcs et Arméniens. Ben, l'Algérie, ça serait aussi un beau sujet finalement dans d'autres lieux. Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter parce que je pense que c'était très très subtil de ne pas mettre ce débat sur oui ou non, était-ce un génocide ou non. Bien entendu, cette question a toute son importance et il y a un débat tout à fait possible. Mais il faut avancer en attendant parce qu'on est en plein antagonisme en ce moment-là, il y a des choses qui bloquent et les raisons sont extrêmement multiples. Alors, par rapport à ça, nous pensons qu'un espace social est utile. C'est ce qu'on a appelé dans ce livre, c'est ce qu'on a essayé de théoriser, sous forme de l'espace de frottement. Quand les communautés sont en opposition, en antagonisme, il faut créer des espaces de frottement. C'est quoi des espaces de frottement? Ce sont des lieux et des temps durant lesquels les communautés se rencontrent autour différentes, avec leur position, avec leur origine, leur historicité, etc., leurs attentes, mais ils se positionnent par rapport à un objectif commun, par rapport à une attente commune, par rapport à ce fameux dénominateur qui est commun. Et autour de ça, ils se retrouvent dans un certain nombre de parcelles d'identité qui ne sont pas justement ceux qui les divisent. Il y en a d'autres. Il peut y avoir une Arménienne et une Turque qui peuvent être idéologiquement opposées, par exemple sur la question
de oui ou non pour le génocide. Par contre, ces femmes-là peuvent partager plein d'autres choses en commun. Elles peuvent être travailleuses dans la même entreprise. Elles peuvent être maman l'une et l'autre. Elles peuvent avoir ceci ou cela en commun. Et si on parlait plutôt de ça, est-ce qu'on est obligé d'être d'accord sur tout pour avancer ensemble? Donc c'était ça, et c'est une des façons de sortir finalement de cette difficulté. Alors, comme je suis quand même un éducateur avec une petite mémoire, je vais prendre mon copion qui est très discret, donc pour pouvoir, c'est juste des textes, donc vous ne ratez pas d'image, c'est sur mon diapositive. Donc c'était ça l'objectif de notre réflexion, de façon à établir des perspectives qui sont susceptibles d'organiser ou d'inspirer à ceux qui pourraient l'organiser un dialogue. Alors, notamment en Belgique, entre communauté turque et communauté arménienne, et ça, notamment à Bruxelles, pourquoi pas. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire, évidemment, donc le propre du différent, c'est la dénomination des événements de 1915, évidemment revendiqué comme génocide par les Arméniens et désigné comme tel par la majorité des historiens dans ce domaine, et au contraire, désigné comme notamment un génocide, parfois même en renversant l'ordre des choses par la majorité des Turcs et l'histoire officielle qui est enseignée. C'est évidemment une situation extrêmement complexe parce que pour qu'un éducateur, un animateur, un intervenant socioculturel puisse travailler ce sujet, il faut qu'il maîtrise des faits historiques, des faits juridiques, des faits politiques, de la psychologie et de la pédagogie. Donc ça fait quand même beaucoup pour un seul homme ou une seule femme. Donc c'est ça qui explique aussi la complexité de ce genre d'intervention. Par ailleurs, on est face à une littérature académique, une presse surabondante, pléthorique par rapport à ce sujet, comment maîtriser la chose. Et l'Internet, qui est un nouvel espace d'opposition, nouvel espace de frottement, peut-être pas toujours à bon escient, est devenu un lieu de joute, finalement, parfois des plus violentes, sans se toucher et en gardant parfois l'anonymat. On se demande si ça aide ou ça se déplaît. Quoique, ça fait parfois avancer des choses. Et notamment, on peut voir la violence dans des forums dédiés à ce genre de sujet, ou en dessous des articles, quand on se lit en turc, ou dans d'autres langues, on peut le voir. Mais on peut aussi voir, alors je cite ma collègue Lenoir Ashtian, qui est de l'Université de Sherbrooke au Canada. Elle fait des interviews, notamment sur la question de la transmission, justement, de cet héritage dont on parle du silence ici. Notamment, je cite un des témoignages, « Les Turcs sont des loups, ou du moins peuvent le devenir à tout moment. Voilà le souvenir qu'ont gardé les Arméniens qui sont partis du pays et ce qu'ils ont transmis. » C'est évidemment un point de vue avec lequel il est impossible d'approcher quelque dialogue que ce soit. Donc voilà les ingrédients de la situation qui est une face-à-face violente, une violence qui remonte aussi, notamment dans les années 70. Il y a des revendications violentes et des attaques terroristes également avec le groupe Asala à l'époque. Mais aussi, il y a des violences récentes, notamment dans nos rues à Bruxelles, il y a quelques années. Et on va attaquer des magasins parce que prétendument, c'est des magasins d'Arméniens, etc. Donc il y a là une situation dont on doit évidemment prendre, mesurer toute la réalité. Face à cette abondance de discours qui sont, dans la majorité des cas, violentes, il y a une rareté d'actions pacificatrices, par ailleurs. Il y a bien sûr quelques associations, ça et là, qui travaillent justement, et un certain nombre d'initiatives dont on vient de parler, qui remontent, en fait, au début des années 2000. C'est relativement récent. Et avec cela, on constate que la Turquie a bougé. Donc je ne vais pas revenir sur, notamment, les réactions face à l'assassinat de Hrant Dink, tout le combat qui est largement porté aujourd'hui par une classe qui est loin, pas seulement arménienne, beaucoup plus large que ça, mais également, voilà une photo qui est très très intéressante, je ne sais pas la montrer autrement. Si. Vous voyez, 24 avril 2012, plein de gens pleurent aussi, mais pas seulement des Arméniens, on le voit. Donc c'est intéressant de voir ce changement en Turquie, dont alors il faut tenir compte. Ce qui veut dire que nous devons intégrer ça dans notre équation.
Alors, une des difficultés du débat, en tout cas c'était vrai il y a quelques années, on vient de dire par exemple qu'en Turquie, là, lors de présentation d'un débat, le vocabulaire génocide ne posait visiblement pas de problème ou plus de problème, mais ça n'a pas toujours été le cas. Un des derniers qui a été par exemple inquiété par rapport à ça, c'est le prix Nobel Orhan Pamuk, avec l'article 301 de la Constitution turque. Mais aussi, l'inverse est vrai. Si vous voulez dire le contraire, dans un certain nombre de pays, notamment en France, vous risquez d'avoir la difficulté inverse. Donc, si tu veux faire empêcher le débat, tu fais pas mieux, évidemment. Donc, c'est ça qui fait partie des difficultés qui se posent à nous dès lors qu'on veut faire avancer la chose. Bien, par rapport à ça, donc, on a quand même un certain nombre de balises. Moi, j'en ai relevé une douzaine, mais je ne veux pas les citer ici, parce que ça prendrait trop de temps, mais donner quand même quelques-uns qui nous paraissent les plus intéressantes de mon point de vue et qui pourraient toucher le plus l'émotivité des gens, parce que ça va être la clé qui va nous faire balancer dans un autre registre. C'est que tous les Arméniens, aujourd'hui, sont victimes. Soit leur famille a été touchée directement, soit leur communauté a été touchée. Et effectivement, l'état de victime, victimité, ce qu'on pourrait dire, s'hérite, bien entendu. Dans la mesure où on est face aussi à des crimes imprescriptibles, puisqu'on parle de crimes contre l'humanité. Tiens, vous avez dit crimes contre l'humanité, enfin, je l'ai dit. Si c'est crimes contre l'humanité, ça veut dire que toute l'humanité fait partie des victimes. Et dans l'humanité, les Turcs se retrouvent. Donc, les Turcs aussi sont victimes de ce qui s'est passé. Parce que finalement, et je ne suis pas le premier, ni celui qui le dit mieux, le poète Nazım Hikmet l'avait dit, que dans sa poésie, que finalement l'épicier Garabet en voulait aux Turcs, mais qu'il n'était pas le seul, d'autres Turcs en voulaient aux Turcs aussi, par rapport à cette tache noire qui a été, mise sur son front. Donc effectivement, on peut aussi dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui vivent en Turquie ou ailleurs et qui ont envie justement de renverser la vapeur et de dire ben, on veut être dans la reconnaissance, on veut être dans la légalité, on veut être dans la légitimité et qu'on n'a pas envie de porter cet héritage-là. Parce que si l'héritage est silencieux dans un sens, il l'est tout autant dans l'autre sens. C'est ça la difficulté. Une autre difficulté qui a été aussi révélée notamment par Olympique, c'est que en fait, il dit, je ne crois pas que les Turcs soient négationnistes par leur grand ensemble. Je pense que tout simplement, ils sont ignorants, parce qu'ils ignorent ce qui s'est passé. Et c'est vrai que si vous interviewez, ça pourrait peut-être se faire pour un prochain film, un vieux monsieur qui est assis sur des vieilles pierres quelque part à l'est de l'Anatolie, et vous dites, savez-vous, monsieur, que les vieilles pierres que vous avez là, c'est des restes d'un ancien cimetière arménien? Il va dire, ben non, je suis là depuis un certain temps, mes parents étaient là, ça n'a jamais été un cimetière arménien, qu'est-ce que vous racontez? Et effectivement, cette histoire est effacée. Et si elle est effacée, c'est qu'il n'est pas possible de la connaître, sauf que les choses changent aujourd'hui, bien entendu. Et si on ne la connaît pas, évidemment, tout autre discours qui va venir de l'extérieur, qui va être dissonant par rapport au discours officiel, va être considéré comme étant de la fumisterie. Donc on est évidemment aussi face à des phénomènes d'ignorance, donc l'information par rapport à ça est quelque chose de très très important. Une autre des balises que j'ai envie de dire, le dernier sur la douzaine, c'est que on est face à une absence de réponse juridico-politique globale, ce qui ne facilite pas la tâche des éducateurs comme nous. C'est pourquoi notre hypothèse, c'est de dire que comme obtenir cette réponse juridico-politique globale qui va mettre tout le monde d'accord est hors de notre portée en tant que citoyen, l'hypothèse c'est que notre impulsion ne peut venir que du dialogue à la base de la société civile du niveau local. Donc c'est cette tension entre le global et le local qui est importante et nous ne pouvons agir qu'au niveau local, c'est ce que nous faisons me semble-t-il ce soir. Donc, et quelles sont les perspectives maintenant de ce dialogue? Il y a des choses qui peuvent aider ce dialogue. Bien sûr, j'ai parlé du niveau général. Si les Nations Unies, par exemple, faisaient une reconnaissance globale, ça ne va pas arriver parce qu'il y a des forces dans différents sens, mais ça faciliterait quand même des choses. Et on pourrait se positionner. On serait d'accord, on serait contre, mais en tout cas, on pourrait se positionner par rapport à une reconnaissance. Une autre, la commission d'histoire indépendante. Voilà. Et un autre avis, c'est une des revendications notamment historiques des Turcs. Si d'un côté on dit, ben oui, tout est prouvé, il n'y a rien à prouver, de l'autre côté on veut une commission,
C'est aussi une idée relancée par Cohn Bendit en 2001, refus d'Ankara en 2002. Par contre, on accepte après une conférence à Vienne en 2004, mais c'est à ce moment-là les Arméniens qui se retirent de ça. Donc vous voyez l'antagonisme, en fait, comment on bouge. Et puis, des nouvelles tentatives, notamment ministérielles à partir de 2005, une espèce de pré-entente dans les années plus récentes encore, notamment en présence de Hillary Clinton à Genève, et puis un recul à nouveau, parce que le vent tournait, il n'était plus dans l'intérêt d'un gouvernement et de l'autre, probablement, ainsi de suite. Donc, une Turquie ancrée dans l'Union européenne pourrait être aussi un cadre beaucoup global qui pourrait faciliter les choses. Maintenant, à un niveau plus local, il y a des hommes et des femmes ponts. On peut les trouver, et c'est ce que vous faites finalement. Votre film est aussi un document d'éducation. Vous cherchez des hommes et des femmes ponts. Voilà le combat de cette mère courage. Mais il y en a d'autres, notamment les intellectuels que mon prédécesseur a cités, et donc des journalistes, des intellectuels, jusqu'à le petit-fils de Cemal Pasha, Hasan Cemal, qui est aussi un discours extrêmement intéressant en Turquie par rapport au sujet. Mais du côté arménien aussi, nous avons d'autres personnes et qui sont quand même assez intéressantes, notamment ce musicien de hard rock qui s'appelle Serge Tankian. Alors, Serge Tankian et son groupe, ils ont un fan club en Turquie. J'aime pas trop leur musique. Mais bon, chacun a ses goûts. Mais ils ont un fan club en Turquie et beaucoup de jeunes apprécient leur musique, écoutent les paroles, sans trop comprendre, c'est en anglais, ça arrange des choses. Et puis, quand on leur dit que finalement les paroles de Serge Tankian, c'est justement une description du génocide, ah tiens, il y a des dissonances cognitives, mais en même temps on aime bien ce gars-là, et quand il joue bien de la guitare, etc. Donc c'est intéressant aussi de voyez le commun dénominateur et de voir comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça. Donc voilà un exemple aussi de ce qui pourrait être fait. Il y a aussi des données beaucoup plus pragmatiques. Il y a entre 15 à 30 000 travailleurs clandestins arméniens en Turquie. Parce que l'économie de la Turquie étant un petit peu plus florissante que celle de l'Arménie, il y a évidemment, comme toujours, des flux de main-d'œuvre. Ces gens-là travaillent en Turquie et ajoutés évidemment aux Arméniens de Turquie. Et ils ont, des liens entre les deux. Ils font des allers-retours et ils créent un commerce. Il y a les maires et les responsables économiques de la région frontalière avec l'Arménie jusqu'à la mer Noire. Une région qui a beaucoup à gagner de l'ouverture de la frontière et de ces facilités portuaires dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. Et là, ce sont les pragmatiques. Ils vont évidemment faire avancer. Il faut soutenir ces pragmatiques et alimenter également le débat par rapport à plus de paix entre ces deux groupes. Et alors, au niveau tout à fait local, notamment pour revenir maintenant à la Belgique, notre hypothèse est de identifier des associations de migrants comme des ressources. Nous avons réfléchi en groupe, commis des interviews, etc., pour pouvoir un petit peu analyser quels sont les types d'associations qui pourraient jouer le jeu, justement. Toutes ne sont pas dans la capacité. Raccourci un peu au micro, pardon. Notamment, il faut que ce soit des associations qui regroupent des jeunes, notamment des jeunes diplômés de la seconde génération. Le temps avance, arrange des choses. Notamment, le temps d'avoir été scolarisé ici, en Europe, c'est une chance. Parce qu'on est face à des personnes qui ont d'autres personnes d'identité. On a parlé de M. Insel tout à l'heure en disant qu'il était justement un peu francisé ou francophone. Je ne sais pas le terme que vous avez utilisé. C'est exactement ça. Il faut que ce soit des associations qui travaillent, et il en existe autant du côté turc, évidemment, que du côté arménien, avec des programmes plurilingues, notamment avec des programmes internationaux. Il faut que ce soit des structures qui offrent des activités vers des personnes d'origine diverse, qui consultent des chercheurs notamment sur différents points, et pas seulement celui-ci. Et on a constaté qu'il y avait une différence aussi entre la France et la Belgique par rapport à la configuration de ces associations et de leur rapport de force, dans la mesure où il y a un rapport démographique exactement inverse en turc et arménien entre la France et la Belgique. En Belgique, les Turcs étant beaucoup plus nombreux, et en France, c'est l'inverse. Donc, évidemment, là, il se trouve aussi une autre clé, la clé de l'exploitation politique locale, avec les exemples que vous avez donnés. Et à Bruxelles, on n'en manque pas non plus de ce type d'exemples, qui ne sont pas toujours,
sincères, en fait. Il y a d'autres intéressements qui entrent en ligne de compte par rapport à ça, et donc tenir compte de ce gradient-là est très très important. Une autre hypothèse que nous avons faite dans les années 2007-2008, et notre livre a été publié en 2009, et qui s'est vérifié en 2010, c'était notre hypothèse de la Coupe du Monde de football. Il s'est fait que dans cette campagne footballistique, la Turquie, la Bosnie et l'Arménie étaient dans le même pool. Ils se sont joués les uns contre les autres. On s'est dit, mais c'est quand même une situation extraordinaire. Donc voilà des pays qui, dans leur histoire, ont été touchés par des génocides ou des allégations de génocide. Donc si on pouvait, parce qu'il y aura des matchs, en mettant des grands écrans, ça et là, réunir justement des équipes de football qui réunissent des jeunes de différentes communautés, et emmener aussi leurs parents, cuisiner ensemble, parce que cuire ensemble, c'est pas mal. Et si on pouvait peut-être, à partir de là, créer autre chose autour du football. Et évidemment, on n'a pas été démenti parce que c'est précisément la seule visite au niveau présidentiel entre la Turquie et l'Arménie s'est faite durant cette campagne. Donc on s'est dit que d'autres avaient finalement eu les mêmes idées. Et donc, voilà une chose, une des clés qu'on peut faire, c'est mobiliser les clubs, mais sur un autre diapason, avec une autre clé de lecture de la portée, plutôt que la lecture géopolitique ou historique de ce dont on parle. Une autre dimension encore pourrait intéresser les médias ethniques. Et pas seulement les Turcs et les Arméniens, mais aussi les Kurdes, mais aussi les Marocains, mais aussi d'autres encore qui se trouvent ici. Et donc de regrouper les médias ethniques qui ont une place, notamment sur Internet, notamment dans la presse sur papier, les radios privées, etc., qui ont une place donc dans nos espaces médiatiques, et de faire une coordination éthique des médias ethniques. Avec également, pourquoi pas, des médias aussi alternatifs, belgo-belges, francophones, néerlandophones, et que sais-je encore, dans la mesure où, sans stigmatiser sur une communauté ou un groupe ou l'autre, eh bien, de façon à, justement, créer des chartes de professionnalité. Comment nommer les choses? Comment appeler les uns les autres? Comment se passer des noms d'oiseaux qu'on utilise parfois? Pareil avec d'autres corps professionnels, notamment des commerçants, des religieux, des élus locaux. Donc on pourrait évidemment réunir ces différents corps professionnels parce que justement, membres de ces professions-là, et par rapport à comment traiter l'autre, comment nommer l'autre, etc. Donc il pourrait avoir un travail qui peut être initiateur. Une autre dimension, il m'en reste trois, c'est ce qu'on pourrait appeler le city coaching. C'est quelque chose de bien connu au niveau des communes, les éducateurs de rue, les stewards de rue, etc. Il y a là un groupe professionnel qui sont auprès des jeunes, auprès des habitants, qui sont là pour rendre service, éduquer, orienter, informer, etc. Eh bien, voilà le système de city coaching qui a été notamment utilisé au bon moment par la mairie de Madrid, juste après les attentats qui ont eu lieu à la gare de Madrid. Et quelques années plus tôt, ils avaient mis au point un système de city coaching avec une pyramide de messages texto ou appels téléphoniques vers le city coach, vers le steward de rue, de façon à ce qu'il se positionne dans des coins stratégiques de la ville quand il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Et là, effectivement, on aurait pu avoir un pogrom anti-musulman. Vous savez, le nombre de Marocains qui vivaient à l'époque ou toujours maintenant clandestinement à Madrid, on aurait pu avoir un pogrom anti-musulman après les attentats à la gare de Madrid. Il n'y a pas eu. Pourquoi? Parce que ces acteurs se sont positionnés, ont calmé les esprits qui se sont échauffés. Parce qu'ils étaient là, ils savaient où aller, quand aller, ils étaient informés, ils savaient quoi dire, à qui dire. Donc ils étaient organisés. Eh bien, nous pouvons aussi. On n'est pas plus bête que les Espagnols. On peut organiser ça également. Et des émeutes dans la rue, malheureusement, on en a connu. Dans les écoles, nous avons une kyrielle d'outils d'éducation à la paix. Beaucoup de choses existent. Des associations existent dans ce domaine-là. Je n'ai pas le temps d'en faire le détail, mais l'Internet en est plein. Eh bien, je pense qu'il faut être... On parle maintenant de cours de citoyenneté, etc. C'est peut-être l'espace où même il faut grappiller plus de temps pour ça, installer notamment des lieux de découverte, des lieux de discussion, un apprentissage de la négociation, ce qui n'existe pas dans les écoles, négociation entre groupes différents, par rapport à des thématiques, y compris celui qui est brûlant,
comme le génocide des Arméniens. Eh bien, on peut débattre de ça, on peut apprendre à débattre sans se taper dessus, sans s'appeler de tous les noms. Donc tout ça, ça prend également, et pourquoi pas, à l'école. Je termine en disant que peut-être que le fin fond de l'histoire, dans nos techniques pédagogiques, de la pédagogie de la paix, c'est qu'il faut changer le rapport à l'histoire des gens. Parce que l'histoire, malheureusement, on n'en a pas la capacité de la changer. Elle s'est déroulée, elle est ainsi, qu'on le veuille ou non. Et avec beaucoup de douleur, et malheureusement, cette histoire douloureuse continue encore sous nos yeux, avec d'autres communautés, dans d'autres coins du monde, pas si loin de l'Arménie. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait peut-être changer notre rapport à l'histoire. Notamment, quelle que soit notre position, notre conviction sur un fait historique, on peut au moins développer un respect du point de vue de l'autre. Un respect de la mémoire de l'autre, ce qui ne nécessite pas de changer de mémoire, de sa propre mémoire. Au moins développer ce respect de mémoire de l'autre. On peut dépasser les essentialisations. C'est vrai qu'il peut y avoir des Turcs qui ont massacré des Arméniens. Ça, il y a des vérités historiques qui ne se discutent pas. Mais tous les Turcs n'ont pas été assassins. Donc il est faux de dire que les Turcs sont les génocidaires des Arméniens. Il est tout aussi faux de dire que les Allemands sont les génocidaires des Juifs. Non, ce ne sont pas les Allemands, ce sont les nazis qui sont les génocidaires du juif. Comme il y a eu des Allemands justes, il y a eu aussi des Turcs justes. Et les histoires que vous découvrez sont en train également de le prouver. Et donc, il est faux d'utiliser cette équation simple. Par contre, on pourrait parler, nommer les choses correctement, aller chercher dans l'histoire et proposer d'autres dénominations. Et arrêter d'essentialiser. Ça faciliterait quand même les choses. Et malheureusement, parfois, dans les dialogues, on va pas jusque-là. Il faut rechercher l'intérêt et l'identité commun des groupes d'habitants. Donc, on vient de parler. Si le football est votre intérêt commun, votre point d'intérêt commun, eh bien, pourquoi pas construire autour de ça et arriver bien plus tard sur des questions qui fâchent. Je ne pense pas qu'il faille opposer le dialogue et l'action. Je pense que sur des questions aussi nouées, aussi compliquées, il faut vraiment dialoguer, aller là où c'est difficile. Là où c'est difficile en particulier, c'est l'enseignement de l'histoire du génocide dans les classes et la réaction des familles turques. C'est des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et je ne crois pas donc qu'on puisse dire il faut faire les choses séparément, c'est-à-dire c'est aux Turcs de s'occuper de leur État et de la position de leur État. Les Arméniens ont leur mot à dire là-dedans. Et l'ambition qu'on doit avoir au bout serait, à mon avis, de nature à nous motiver. C'est-à-dire que la vraie reconnaissance du génocide, c'est-à-dire quelque chose qui soit assumé par une fraction assez importante de la société turque pour que ça devienne quelque chose vraiment d'irréversible, pas simplement le mot d'un président ou d'un premier ministre, mais quelque chose qui fait que la société turque change de regard sur son passé, comme à un moment la société allemande, pas au moment de Nuremberg, mais quand même 15 ans ou 20 ans plus tard, a changé de regard sur son passé. Bon, si on obtient ça, à ce moment-là, on a effectivement les possibilités d'une paix vraiment ancrée entre la Turquie et l'Arménie. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on est dans les diasporas? On obtient la possibilité de travailler ensemble à un rapprochement, par exemple, avec l'Europe. C'est-à-dire que les pays d'Europe de l'Est, qui pourtant n'avaient pas eu forcément toujours des rapports extrêmement amicaux entre eux, mais bon, ils ont à un moment poussé ensemble pour entrer en Europe. Bon, je pense que ça, c'est l'avenir que des communautés diasporiques européennes peuvent espérer que pour leur pays d'origine. Mais pour que ça, pour que cette action-là soit possible, il faut beaucoup de dialogue. On parlait d'extrémistes dans les deux camps où qu'il fallait élargir sa vision de l'arménité et de la Turquie. Par exemple, je prends un exemple. Armen, le gardien de l'église de Diyarbakir, qui est musulman. Quand on a montré le film en France, il y a plein de gens de la communauté arménienne, enfin plein de gens, il y a des gens de la communauté arménienne qui viennent me voir et qui me disent « Armen, bon, il est bien sympathique, mais il n'est pas arménien. » Et
là, je me dis, bon, il y a du chemin à faire encore. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je voulais donc transmettre un peu cette colère que ressent cette communauté arménienne, turco-arménienne, kurdo, plein de choses, Ardi Arbakir, mais qui est très fière de cet héritage arménien. Eux, ils sont absolument en colère contre la communauté arménienne d'Istanbul. Parce qu'ils disent, quand on va les voir, ils nous disent, mais vous êtes qui, vous? On n'avait pas entendu parler de vous avant, puis là, vous sortez d'un seul coup, bon, vous ne connaissez pas trop bien. En fait, il y en a beaucoup qui aimeraient bien aller vers l'Église, mais l'Église refuse. Mais c'est voilà, au niveau des gens aussi de la diaspora qui viennent en Turquie et qui disent, oula, qui sont ces gens? Donc je crois, voilà, il y a un gros travail, en tout cas, au niveau de la vision d'élargir, pour le coup, à faire des deux côtés. Et la deuxième remarque, Altay parlait de l'espace de frottement nécessaire, et aussi de les Turcs sont des victimes. Fethiye, nous, dans le film, dans la version qui est passée à la télévision, on interroge Fethiye aussi. Fethiye Çetin, oui. Et elle dit quelque chose, à mon avis, qui est très juste, c'est le traumatisme, il a traversé les générations. Nous, ce qui nous a frappé, c'est que je me suis dit, bon, moi qui connaissais rien, 1915, c'est loin, ça fait un siècle, bon, il ne doit pas rester tellement de choses. Et si, en fait, c'est tant que le travail de mémoire n'est pas fait, pour ces gens-là, 1915, c'était il y a 5 jours. Et dans 200 ans, ça sera exactement la même chose. Tant qu'ils n'auront pas fait ce devoir de mémoire, ils n'arriveront pas à aller de l'avant. Et ce que disait Fethiye Çetin, et ce qu'on a rencontré dans énormément de témoignages de Turcs, de Kurdes, d'Alevis, d'Arméniens, c'était la douleur et le traumatisme d'avoir été soit victime, soit d'avoir des ancêtres qui ont participé, ou ne serait-ce que assisté au massacre. De dire, bon ben voilà, oui, cette maison, il y avait une famille dedans, et ensuite il y a un tel qui s'est installé, ils ont utilisé les assiettes, et tout ça, ça reste, ça ressort un jour. Pour la première question, je ne me souviens plus le prénom, mais je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire sur le fait que l'histoire est en train d'émerger, et personne, aucun gouvernement pourra la faire disparaître totalement, parce que là, c'est en train de sortir. Tout est en train de sortir. Il y a des enfants qui avaient 4 ans au moment de 1915. Les gouvernements ont dit ils s'en souviendront pas. Et derrière, nous, nos personnages, leurs parents avaient 4 ans, et les personnages se souviennent et sont en train de refaire revivre ces histoires. Donc, elles vont ressortir et les gens vont refaire sortir ça. Lorsque le gouvernement turc reconnaîtra le génocide, ce sera en effet la première fois qu'un gouvernement issu, non pas d'une défaite, mais d'une victoire, reconnaîtra un génocide. Et quand il le fera, je dis bien quand et non pas si, quand il le fera, ce sera une victoire, donc non pas de la guerre, mais de la mémoire et de l'histoire que la mémoire aura poussée, presque obligé à retravailler. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui commence à se passer en Turquie. Alors évidemment, la seule chose que je peux dire par rapport à des déclarations qui sont celles actuellement du président turc et qui n'ont pas du tout l'air d'aller dans le bon sens, c'est, vous citez, le peu de sondages qu'il y a. L'an dernier, il y a eu 2 sondages. Le premier sondage demandait quelle doit être l'attitude du gouvernement turc par rapport aux demandes arméniennes. Est-ce que ça doit être une attitude de reconnaissance du génocide? Réponse oui à 9%. Est-ce que ça doit être une attitude de présentation d'excuses? C'est différent, hein. Réponse oui à 9%. Et ensuite, est-ce que ça doit être rien? Réponse oui à 25%. Et est-ce que ça doit être, il y a eu des souffrances des deux côtés? Réponse oui à 30%. Donc moi, je suis toujours un optimiste, en fait j'additionne les deux premiers. Et je dis 9 de reconnaissance du génocide et 9 de présentation d'excuses, ça fait déjà 18%. Il y
Il y a un deuxième sondage, et ce deuxième sondage, il est sur les populations de jeunes de moins de 30 ans. Il demande simplement, est-ce que les événements de 1915 sont un génocide ? C'est un sondage qui a été fait pas simplement en Turquie, mais dans l'ensemble du monde. Dans l'ensemble du monde, le résultat est oui, à peu près 75-80%. En Turquie, il est oui seulement à 33%. Mais 33% chez les 18-31 ans, sur un sujet aussi sensible, je pense que c'est plutôt un signe d'espoir qu'un signe de crainte. Alors, pourquoi ? Parce que, disons jusqu'à nouvel ordre, la Turquie reste un État qui fonctionne aux élections. Je n'ose pas dire que c'est un État démocratique, on sait bien que ce n'est pas du tout un parangon de démocratie, mais c'est quand même un État qui fonctionne aux élections, et ça c'est pour répondre à monsieur le député, ça veut dire que les raisons pour lesquelles le gouvernement turc actuel ne reconnaît pas le génocide ne sont plus les mêmes que par le passé. Par le passé, on avait effectivement des gens qui considéraient qu'ils avaient gagné la guerre, et gagner la guerre, ça voulait dire gagner la vérité aussi sur la guerre. C'est toute la tradition kémaliste. Bon, le gouvernement actuel, vous me direz, c'est encore plus grave d'une certaine façon, parce qu'issu d'une autre tradition politique, il reprend la position de négation officielle. C'est vrai qu'il reprend la position de négation officielle, mais en même temps, il laisse s'exprimer toute une série de points de vue totalement différents là-dessus. Et même dans les périodes de tension, par exemple de tension diplomatique, comme il y en a eu avec la France il y a 2 ans, comme il y en a eu avec le pape, le président allemand, cette année, ça n'a plus de conséquences en termes de censure de l'opinion des gens qui, en Turquie, disent « ça a été un génocide ». Donc, ça n'est plus la même position qui est celle du gouvernement, du point de vue, disons, de la perpétuation d'une vérité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toute une légende sur la fierté et l'honneur national turc. Alors, c'est un peu, évidemment, la question de l'expropriation, mais enfin, tout le monde sait que ces questions d'expropriation et de remboursement, elles auront un prix politique. On ne va pas commencer à calculer, il n'y a aucun calcul possible qui peut établir ce que coûte la mort d'une civilisation. Donc ça n'a pas vraiment de sens, ce qui veut dire que ce qui compte, c'est les électeurs. C'est-à-dire, tant que le gouvernement turc considérera qu'il a plus d'avantages électoraux à refuser le génocide arménien pour des raisons qui, dans sa population, peuvent être effectivement un mélange de peur, d'expropriation des biens qui ont été spoliés et de fierté nationale, faussement passé, à ce moment-là, il ne dira pas génocide et il essaiera autant qu'il peut de ne pas rentrer dans un chemin d'excuses, dans une seringue qui, après les condoléances de l'année dernière, pourrait l'amener à faire des regrets et ensuite des excuses. Mais franchement, il n'y arrivera pas. Donc, par rapport à M. Hacık, c'est ça ? Je n'ai pas bien entendu. Voilà. Mais je pense que, je te tutoie aussi, tu prêches un convaincu. Hein. Je pense avoir introduit dans mes 12 principes, c'était le premier, qu'une reconnaissance internationale nous faciliterait la vie grandement, c'est sûr. Mais le fait est, il faut constater qu'on ne l'a pas, cette reconnaissance internationale, et je le regrette. Et j'avais terminé en disant que si on ne l'a pas, il y a des raisons, et ces raisons touchent ce que mon voisin vient de dire. Je pense qu'ici comme là-bas, malheureusement, la question du génocide arménien est parfois utilisée pour des questions électoralistes d'intérêt immédiatiste et contextuel, alors qu'il s'agit d'une question d'humanité, de la disparition d'une civilisation. Donc c'est là qu'on est bloqué très très souvent. Par rapport à la question du calcul des indemnités, c'est vrai que ça serait quand même un calcul compliqué. D'un autre côté, on peut aussi calculer l'inverse. Combien coûte à la Turquie de la non-reconnaissance du génocide ? Ça aussi, ça serait un calcul intéressant à faire. Au niveau diplomatique, au niveau de la notoriété, au niveau de l'énergie perdue sur une série de choses que, personnellement, je considère être des foutaises, comme de téléphoner à des députés dans un pays pour empêcher une réunion. Et donc, bref, ça leur apporterait probablement beaucoup plus, y compris financièrement,
que la non-reconnaissance, la situation actuelle. Et la situation actuelle ne pourrait être débloquée que quand une génération de politiciens, séparés donc de la partie républicaine du peuple, et à taper en est l'exemple. D'ailleurs, vous avez dit, on a commencé à en parler au début des années 2000, ça coïncide avec quoi? C'est l'arrivée de l'AKP, évidemment. Et évidemment, avec la grande déception qui suit par rapport à ces dossiers, notamment plein d'autres, mais bon, on parle de ce dossier, la grande déception qui suit, là, depuis ces trois dernières années. Et sinon, on avançait. Mais voilà. Mais je pense que l'histoire est faite d'avancer et de recul. Et il faut être confiant et se serrer les épaules les uns des autres. Est-ce que les membres de cet auditoire se rendent compte qu'il a fallu attendre 100 ans, je répète 100 ans, pour qu'une soirée semblable puisse se tenir? Cela me paraît impensable et irréaliste, et pourtant c'est le cas. Ces 100 ans, ce centenaire démontre l'impérieuse nécessité de renouveler l'expérience, et sur ce point-là, je ne partage pas l'opinion de mon ami Nicolas qui nous a quittés. Je crois qu'il y a deux communautés qui doivent apprendre à se connaître, que la solution est locale, et souvent locale, pour permettre au global de se développer. Et j'en profite pour insister sur le fait que le dénominateur commun que tout le monde essaye de définir, il me paraît être multiple. Un, ce dénominateur commun est que nous sommes des Belges. Nous sommes des Belges d'origine turque et d'origine arménienne. Et cette belgitude également qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'il est également essentiel de mettre en avant notre humanisme. Nous devons lutter contre le communautarisme. C'est le communautarisme qui rend stérile les réflexions au même titre que le nationalisme. Et ce qui nous regroupe ce soir, ce qui nous rassemble ce soir, ce qui nous fédère ce soir, ce qui nous motive ce soir, c'est cet humanisme. Et c'est cet humanisme qui doit pousser à l'enseignement, qui doit pousser vers l'autre, de manière convaincante, de manière convaincue. Et enfin, j'en arrête là. Je souhaiterais beaucoup que dans nos réflexions humanistes, nous ayons à l'esprit de manière permanente le contre-exemple ou l'exemple selon les perspectives et les enseignements de la Shoah et les enseignements du génocide des Tutsis, et voir le travail reconstructif qui a eu lieu. Profiter de leur expérience pour faire aussi bien que nos amis Tutsis et nos amis juifs dans leur tentative de reconstruction.